Bonjour, donc aujourd'hui c'est le message du mardi 7 septembre que je vais vous lire par rapport à un moment avec Jésus, le livre Un moment avec Jésus. Jouis de la chaleur de ma présence, sens ta peau picoter sous la lumière de mon amour. Je prends plaisir en toi plus que tu ne peux l'imaginer. Voyez. Mon opinion sur toi est toujours bonne car je te vois enveloppé de ma lumière, couvert du manteau de la justice. Pardon. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui m'appartiennent. Voilà pourquoi je déteste que l'on culpabilise mes enfants pour les motiver. Dans leur message, certains essayent de pousser les croyants à l'action en éveillant en eux un sentiment de culpabilité. Peut-être cela incite-t-il les destinataires à travailler plus dur. Mais la fin ne justifie pas les moyens. De plus, cela peut complètement saper les bases même de la grâce dans les cœurs. On peut croire à une certaine réussite lorsque les gens en font plus, mais moi, je regarde au cœur. Je suis attristée quand je vois la grâce étouffée par les mauvaises herbes. Des œuvres accomplies sous la pression. Je veux que tu te détendes dans l'assurance de mon amour parfait. La loi de l'esprit qui donne la vie à moi t'a libéré de la loi du péché et la loi de la mort. Amen. Merci. Gratitude. Voilà. C'était le message du mardi 7 septembre 2021, il fait beau, il y a du soleil, je ne sais pas chez vous, d'où vous êtes, mais il fait beau. C'était un moment avec Jésus. Voilà. C'est court parce que c'est un message par jour, donc peut-être ça vous parle. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Donc c'est un moment de partage. Au lieu de le lire tout seul dans mon coin, j'ai décidé, j'ai pensé, ben. Je dois partager avec vous quoi. Donc si vous tombez sur ces vidéos, ben peut-être que vous avez besoin d'entendre ces messages et que peut-être qu'il fallait que vous entendiez ces messages. Je vais essayer de faire un par jour jusqu'à la fin du livre. J'ai commencé la rentrée en septembre. Et s'il plaît à Dieu, ben, l'année prochaine, ben, je commencerai en début d'année. Voilà, pour faire la boucle. Je vous remets la page. Pour ceux qui aiment lire. C'est pas. C'est bon, là, je crois que vous voyez. Bon, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin d'après-midi et une excellente journée aussi et une excellente soirée. Je ne sais pas, vu que le monde, on a tous des horaires différents et je ne sais pas à quelle heure vous allez tomber sur cette vidéo. En tout cas, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde et que Dieu garde, que la paix soit
sur toute l'humanité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et bon courage à vous. Gros bisous.